deserve a better fate. I'm really much too young to matriculate. Well, mama, please, your child's dumb down with a fatal disease. Mama said, come on, you lazy bum, and get your butt out of bed. You gotta go back. Bonjour à tous, bonjour la jeunesse. Oui, je sais que maintenant il n'y a pas que des jeunes qui me suivent, mais en fait ce qui compte c'est d'être jeune dans sa tête, donc je considère que c'est la jeunesse quand même. Bonjour à tous. Petite vidéo pétage d'ambiance, micage de karma, ruinage de mood. C'est bientôt la rentrée. Alors, la rentrée c'est dans 5 jours. 5 jours! Alors, si vous êtes comme moi, que vous êtes complètement à l'arrache, et que vous avez grave kiffé l'été, et que vous n'avez absolument pas pensé à la rentrée, que vous venez de réaliser que la rentrée des classes, bah, c'était. J'ai pas de montre, mais c'était bientôt, là, tout de suite, là, maintenant. Et bah, une petite vidéo pour vous aider à vous préparer psychologiquement et physiquement à ce moment phare de l'année. Voilà. Ça vaut pour les élèves, mais ça vaut peut-être pour des parents d'élèves, des parents de cours, ou des gens qui reprennent leur activité, peu importe qu'ils soient parents ou non, et qui voudraient se mettre dans de bonnes vibes pour que ça se passe bien. C'est parti. Premier conseil, reprendre un rythme sommeil-éveil équilibré. Bon, ok, si pendant tout l'été vous êtes couché à 2h, 3h du mat, fait des grasses mat de malade, il y a un moment, ça va bloquer. Parce que si du jour au lendemain vous devez vous lever à 6h ou 7h, ça va être compliqué. Donc, reprendre un rythme correct. Pour cela, se coucher tôt. Or, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand ça fait 2 mois qu'on se couche tard et qu'on fait la java, la bamboche, comme on dit, ben ça marche pas. Donc, pour ça... Premier conseil, désolé, hein, mais proscrire les écrans 1 heure avant l'endormissement. Le problème de la lumière bleue générée par les écrans, c'est que ça bloque la synthèse d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Cette hormone, c'est l'hormone du sommeil. Plus vous vous exposez aux lumières bleues des écrans de téléphone, d'iPad, d'ordinateur, etc., plus vous inhibez la sécrétion de mélatonine. Votre cerveau croit que en fait, c'est encore le jour et que voilà. Donc du coup, vous n'arrivez pas à vous endormir, forcément. Donc, je sais, c'est difficile, mais stoppez les écrans 1 heure avant l'endormissement. Prenez un bouquin, lisez. Ah ouais, non mais ça, on va en reparler de la lecture, mais une vraie vertu. Ça va vous aider à tout point de vue, vous allez voir. Quitte à s'endormir au bout d'un quart d'heure. On s'en fout complètement, c'est pas grave, c'est le but. Donc, limitez les écrans un maximum et les lumières bleues. Autre chose, si vous avez vraiment des difficultés à l'endormissement, éventuellement... Commencez à réduire les éclairages. Alors bon, en ce moment, il fait jour tard, mais à partir de 19h, 20h, commencez à limiter le nombre de lumières allumées chez vous. Préparez votre corps au fait qu'il va être l'heure de faire dodo. Quand la luminosité diminue, votre corps sécrète cette fameuse mélatonine qui vous aide à vous endormir. Donc aidez-le en limitant un petit peu les éclairages et en limitant les écrans. Autre raison de limiter les écrans, et notamment tout ce qui est internet, réseaux sociaux, etc., Snapchat, Instagram, tout ce que vous voulez, TikTok, bon bref, c'est que ça génère, d'un point de vue psychologique, un effet qu'on appelle l'effet sentinelle. C'est-à-dire que ça génère une excitation chez vous, vous êtes en attente d'une notification, d'une nouvelle publication, d'un nouvel événement, et ça produit de l'adrénaline dans votre corps qui fait que vous ne pouvez pas vous endormir parce que vous êtes en état de vigilance, vous attendez la prochaine notif. Donc ça, pareil, à proscrire, à proscrire, à proscrire. À la limite, un petit film va être moins nocif que du scroll sur les réseaux sociaux qui va vous maintenir complètement en éveil malgré vous. Pour reprendre un rythme correct, si vous êtes en mode 22h, soirée mousse, minuit 30, hamburger et frites, voilà, et levé 11h30, bon, va falloir y aller progressivement. Désolée pour les bruits, c'est mon lapin. Ah oui, j'ai un lapin maintenant. C'est mon lapin qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fous, Thaïs? Ah ben, elle a trouvé que sa gamelle était pas au bon endroit. Bon, ouais. Donc, vous pouvez pas du jour au lendemain changer de rythme. Il va falloir y aller progressivement. Donc, un petit truc et astuce pour les motiver. Hein, après, si vous voulez pas, tant pis pour vous. Mais
pour les motiver, c'est décaler gentiment l'heure du réveil tous les matins de demi-heure en demi-heure. Histoire... Bon là on a 5 jours, hein, donc là c'est un peu short. J'avoue, j'aurais dû sortir cette vidéo un peu plus tôt. Fais ce que j'ai pu. L'idée c'est d'arriver, allez, 2 jours avant la rentrée, à un horaire à peu près correct. Donc si pour arriver au collège, bon à Picasso nous on commence à 8h10, hein, c'est ça. Donc voilà, il va falloir décaler votre réveil progressivement, décaler votre heure de coucher progressivement. Vous ne pouvez pas y aller de but en blanc, vous allez rater. Donc décaler progressivement votre réveil jusqu'à aller 48 heures avant la rentrée, être sur le bon horaire. Bon, en vrai, vous avez votre pré-rentrée soit le jeudi, soit le vendredi, et le vrai début des cours lundi, donc ça vous laisse un tout petit peu de marge pour vous organiser, réussir au moins vendredi à être OK sur le réveil du matin. Sinon, vous allez souffrir, vous allez pleurer des larmes de sang. Vous voulez pleurer des larmes de sang? Ou être à la bourre et avoir à chaque fois des notifications des profs? Non. Donc, au boulot. Deuxième volet. Parce que c'est pas tout de reprendre un rythme correct, mais encore faut-il reprendre soin de son corps. Oui, c'est moi qui dis ça. Vous moquez pas, s'il vous plaît? Chut. C'est des vrais conseils de biologiste. Bon, 2 choses pour prendre soin de son corps. Un petit peu d'activité physique au quotidien. Oui, je sais, je vous entends vous marrer au fond de la salle, je sais. Oui, moi je dis ça, un peu d'activité physique. Il se trouve que moi en ce moment, vous voyez, je fais un chantier chez moi. Et bah du coup, je fais grave du sport. Je soulève des sacs de gravats, je fais de la peinture au plafond, au mur. Bah ça, je peux vous dire, ça entretient. Il n'y a pas besoin de soulever de la fonte à coup de 300 kg, hein, d'accord, ni de faire des squats pendant 50 minutes, c'est pas ça le truc. Juste activer un peu votre boule. Si jamais vous avez passé 2 mois le cul dans le canapé, pardonnez-moi l'expression, ou au bord de la piscine, ou dans le canapé, ou au bord de la piscine, bon bah il est temps de bouger un peu votre corps. Alors ça peut être tout bête, ça peut être en faisant le ménage, ça peut être en allant faire une petite balade, ça peut être en faisant un petit coup de basket, un coup de foot, voilà. Mais quotidiennement, bougez un petit peu votre corps, il vous remerciera et puis ça vous générera une saine fatigue qui vous aidera à vous endormir le soir. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de ce qu'on met dedans. Voilà, vous avez peut-être tourné aux nuggets, aux frites, aux kebabs tout l'été. Grand bien vous fasse, et je comprends tout à fait, ça fait partie du chill de l'été, donc bien normal. Mais là, pour se préparer, pour faciliter encore une fois le sommeil, pour améliorer l'énergie quotidienne, absorber des choses équilibrées, ça peut être pas mal. Je rappelle qu'une assiette correctement composée, c'est la moitié de légumes, un quart féculent, un quart protéines, et on est bon. Grosso modo, si vous faites ça, normalement, ça va. D'accord? Donc, voilà, essayez de faire un petit peu gaffe à ce que vous mangez, essayez de faire un petit peu gaffe à votre activité physique, vous verrez, votre corps vous remerciera et vous serez en bien meilleure disposition pour attaquer la rentrée. Après, l'intérêt aussi de prendre soin de son corps, c'est pas forcément par la nourriture, mais ça peut être aussi par le fait de se faire du bien. Vous pouvez tout à fait, alors pour ceux qui aiment ça, se faire des petits soins de peau, j'en sais rien, c'est pas trop mon délire. Ah tiens si, regardez, j'ai mis du vernis à ongles. C'est bête, hein? Mais voilà, prendre un petit peu de temps pour soi, faire un peu de méditation, se faire des petits soins cosmétiques pour ceux qui aiment ça, se faire des automassages pour ceux qui aiment bien. Prendre un petit peu soin de soi chaque jour, et ben c'est reconnecter avec son corps et c'est finalement lui faire du bien et lui dire « prépare-toi parce que là, on attaque une nouvelle année scolaire ». C'est bête, c'est un petit peu l'effet placebo en fait, hein, c'est l'effet doudou, vous voyez? Ça marche extrêmement bien, même si vous savez que ça a un moitié artificiel, en fait ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, hein, si votre truc c'est vous de faire des bains de pied avec des poissons qui viennent manger vos peaux mortes, bah allez-y, c'est parti. Hein. J'en sais rien. Moi ce que j'adore c'est prendre soin de mes plantes, vous voyez. Faites des trucs qui vous font du bien pour le corps et pour l'esprit. N'hésitez pas, un petit peu chaque jour, ça va vous préparer également. Bon, et puis dernier point, je suis désolée, on a réactivé le rythme, on a réactivé le corps, bah va falloir réactiver un tout petit peu le cerveau. Si comme moi, vous n'avez absolument rien glandé de votre été, il n'était pas prévu que je parte en vacances, et puis finalement je suis partie en vacances, bah c'est pas plus mal, parce que les vacances ça sert à ça aussi. Donc, si vous n'avez pas trop sollicité vos neurones pendant 2 mois, ce qui est très possible, il n'est pas trop tard et vous pouvez tout à fait vous y remettre. Ça peut passer par des choses tout à fait simples. Par exemple, vous avez reçu la liste des fournitures scolaires pour la rentrée.
Bah, reparcourir la liste des fournitures, vérifier qu'il ne vous manque rien. Je vous demande pas d'apprendre tout le programme à l'avance, hein. Je vous demande juste de regarder si vous avez votre matériel. Bah, c'est bête, mais ça permet d'être prêt psychologiquement, de se dire « Ok, j'ai ça, il manque ci. » C'est calmant, c'est apaisant. Même si vous n'avez pas l'impression que la rentrée vous stresse, faire ça, bah, ça vous pose, ça vous assied, ça vous ancre. Donc, vérifiez que vous avez tout votre matériel, vous étiquetez vos petits cahiers, vous faites les en-têtes éventuellement des classeurs ou des cahiers par matière. Vous savez bien, on vous demande toujours la même chose, hein, nom, prénom, classe, la matière, l'année scolaire, bon, hop. Bah, vous pouvez faire ça, c'est bête, c'est un petit exercice pas très compliqué, mais qui va vous permettre de vous remettre dans le bain. Bon, après, pour chaque matière, vous pouvez aussi décider, pour les plus motivés d'entre vous, de consulter le programme, de voir un petit peu ce qui va se passer, qui en cinquième, qui en quatrième, qui en sixième, qui en troisième. Regardez un petit peu ce qui vous attend dans chaque matière. Je vous dis pas de tout bachoter, c'est pas ça le but. Mais juste de, voilà, psychologiquement vous conditionner un petit peu, de savoir un petit peu vers quoi vous allez aller dans chaque matière. C'est pas plus bête. Si vous voulez, par exemple, vous réactiver un peu, moi je parle de ma matière, je parle des SVT, si vous voulez vous réactiver en SVT, allez faire des balades. En plus, ça vous fait réactiver votre corps au passage. Petite balade, vous observez les trucs que vous comprenez pas, les machins, les trucs jolis, les plantes, les oiseaux, les fleurs. Allez-y, hein, c'est la pleine saison. Ça coûte zéro, ça fait du bien. Et puis, ça vous remet dans le bain, quoi. Pour ce qui est des langues, etc., bon, là, je parle pour mes collègues, mais enfin, je pense que j'ai leur validation. N'hésitez pas à regarder vos meilleures séries, vos meilleurs films en VO. Pourquoi pas ? Que ce soit VO, alors soit VO pour l'anglais, soit en espagnol, etc. Remettez-vous dans le bain des langues, ça mange pas de pain, c'est plutôt sympa, et puis c'est une façon agréable de se remettre un petit peu en condition pour la rentrée. Pour ce qui est de l'histoire géo et d'autres matières en général, n'hésitez pas à switcher un petit peu de vos programmes habituels sur Netflix et compagnie sans vouloir les citer. Pourquoi pas regarder un petit documentaire par-ci, par-là, un petit peu de culture générale, même sur l'art plastique. N'hésitez pas à dessiner un petit peu ou regarder des films documentaires sur tel ou tel artiste. C'est une façon agréable de se remettre dans le bain et je peux vous garantir que la claque est beaucoup moins forte au moment de la rentrée du coup. Accessoirement, ce sont des habitudes à développer globalement sur l'année. Hein. C'est pas bah, juste parce que c'est la rentrée. Vous pouvez regarder des documentaires de temps en temps entre deux séries un peu concon. Pardon, j'adore les séries concon, c'est pas le problème. Mais entre deux séries un petit peu superficielles, vous pouvez alterner avec des documentaires, il n'y a pas de problème. Bon, et puis un dernier truc qui permet de réactiver le cerveau un petit peu, deux derniers trucs d'ailleurs. La lecture. Bon, je sais pas si vous avez lu cet été, personnellement avec trois enfants, j'ai un grand mal à lire. Je suis extrêmement fatiguée, et puis il faut toujours que je sois comme ça en mode ninja. Donc lire c'est compliqué pour moi, mais voilà, je fais partie de votre équipe, si vous n'avez pas lu. Allez-y, ressortez des bouquins, mais quel que soit le bouquin, du moment que vous lisez un petit peu, je vous rappelle qu'il y a le quart d'heure lecture au Collège Picasso, reprenez l'habitude de lire un peu, sinon à nouveau, ça va être la torture hein, l'histoire. Hein. Donc pareil, ce que vous voulez, du moment que ça vous plaît, lisez. Lisez, ça active à nouveau le cerveau. Et puis un dernier truc, une activité dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais quelques jeux de société, alors pas que des Monopoly et des trucs comme ça, je veux dire, il y a des jeux de société modernes qui sont très chouettes, qui permettent de réfléchir un tout petit peu. Bon voilà, type Time's Up et compagnie, c'est très fun, vous pouvez le faire entre potes, et malgré tout, ça permet de reconnecter avec d'autres humains, ça permet de réactiver les neurones, de réfléchir, d'être réactif. C'est du travail sans s'en rendre compte. N'hésitez pas, c'est fastoche. Bon voilà, donc voilà un petit panel des conseils que je peux vous donner pour préparer votre rentrée. Nous on se retrouve le 1er ou le 2, normalement si tout va bien je suis professeure principale de 4e cette année. Donc je ne verrai pas les élèves avant le 2 septembre, ça se trouve, gros changement de programme, je n'en sais rien, mais enfin c'est là-dessus que je suis partie. Quoi qu'il en soit, dès lundi d'après, ça fait quoi ? 2, 3, 4, lundi 5 septembre, nous nous retrouvons, j'ai hâte de vous revoir, j'espère que vous serez prêts, vous serez frais, vous serez disposés à bosser. Je vous attends dans le jardin pédagogique qui a pas mal souffert en fait cet été, donc bah écoutez, on va tout reprendre de zéro, c'est pas grave. S'il y a des volontaires, vous êtes toujours les bienvenus à l'heure du déjeuner.
peut-être pas toutes les pauses déjeuner, on verra, mais je vous attends pour pailler, diagnostiquer, réfléchir, faire des abris pour les animaux, tout ça. J'attends vos propositions. Je sais, j'ai encore des questions de FAQ auxquelles il faut que je réponde. Je vais attaquer l'année, j'aurais pas fini de répondre aux questions de l'année précédente, c'est un scandale. Ne m'en veuillez pas, je fais mon max, je vous jure, je fais mon max. Peut-être que j'y répondrai avec Monsieur Robert. Qui sait ? Il m'avait l'air bien enthousiaste pour participer au FAQ, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que Monsieur Robert, professeur de français, réponde aux questions, enfin me pose les questions de FAQ. Préparez-vous bien, dites-moi si ça a fonctionné pour vous, n'hésitez pas à commenter parce que maintenant j'ouvre les commentaires et à me poser des questions, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de vous revoir, vous devez tous avoir pris 50 cm, ça y est, je déprime. À la prochaine, au 5 septembre. Bisous.